s'appelle Coming Soon. On est un groupe qui existe maintenant depuis presque 10 ans. On n'est plus que 5, comme on l'était sur le tout premier EP du groupe. On a senti vraiment à l'intérieur du groupe un besoin de transformation. Je pense que c'était un peu plus naïf en fait que ce qu'on fait aujourd'hui. Et je pense qu'on est en fait on est beaucoup plus curieux qu'avant. On a fait une pause de presque 2 ans entre le deuxième album et le troisième album. Et ça nous a permis de nous retrouver, de passer du temps à composer, de faire moins de concerts pour se retrouver tous ensemble dans une même pièce tous les jours. On a complètement changé notre manière de travailler et de fonctionner. Sur ce troisième album, Coming Soon, c'est vraiment plus un groupe que sur les autres encore. Même si le chant s'est recentré sur Howard et qu'on entend moins les autres voix, finalement on s'exprime davantage par nos arrangements et nos instruments. Après autant de travail, après 2 ans dans une pièce, on avait besoin de dialoguer avec quelqu'un pour savoir ce qu'on avait envie de mettre sur les bandes. Et c'est pour ça qu'on a cherché un interlocuteur qui pour nous était essentiel. Et on a fait la rencontre de Scott Colburn, qui a été pendant quelques temps le 6e membre du groupe. On l'a contacté parce qu'on aimait beaucoup son travail sur Animal Collective, Prince Ramar, Cat Fire. On a commencé par envoyer des démos un petit peu produites qu'on avait enregistrées sur nos ordinateurs. I could tell that the songs were there. I could tell that the singing was good. I can hear that and get a sense of what the band sounds like. Then my job becomes trying to get to that point just as quickly as and efficiently as possible. It's very upbeat, it's very happy, it's very fun and very light. And I know that a lot of people like that. And so I can't wait for the record to come out so that I can say, oh, you're gonna really love this. I think it's a good record for not only just sitting down and listening, but also it's a record that you can drive around with, or you could wash the dishes, or hang out with friends and have it in the background. That's a great record right there that can fit into these different areas. C'est un album qui est vraiment placé sous le signe de l'explosion, du fourmillement. C'est, je disais, chaque morceau est un espèce de petit puzzle comme ça, un peu complexe, et en même temps très pop et très dansant. Cette masse sonore, ce côté organique, on le ressent aussi, je trouve, dans notre pochette. C'est des collages de lion et de tigre. C'est deux forces féroces qui se rencontrent et qui fusionnent même, pour donner un tout encore plus puissant. On se sent vraiment à l'aise sur scène maintenant, c'est vraiment notre terrain de jeu. Et c'est là qu'on défend le mieux notre musique, je crois, parce que ça devient plus que de la musique, c'est que de l'énergie.
is not part of the past. Solemnity is required at last. Burning your fingers and tip of your tongue. Spilling your drinks on somebody's hands. Get on. How can you still go? I'm feeling that you get on. I try to put records together in a sense of a show. So it's like if somebody's not paying attention to the record, they go, wow, this record's amazing. And then they do something else. And then in the middle, they go, what is that? That's really interesting. And then they do something else. And at the end, they go, what a great record. Because then at the end of that, I want them to play the record again. It's tiger meets lion by the light in your eye. It comes down to me.